Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tout le monde. Ça, le travail paye, hein? Voilà. Faut toujours se battre dans la vie. Bats-toi avant que les choses ne marchent pas. Tu vois un peu. Bats-toi avant que les choses ne marchent pas. Voilà. Au moins, tu aurais pu te battre. Et quand tu ne te bats pas et que tu te plains que les choses ne marchent pas, ça veut dire que tu es un paresseux. Et c'est toi ton vrai problème. Parce que beaucoup de nous souffrons à cause de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas fournir d'efforts. Voilà. Et il n'y a rien que tu vas commencer dans la vie qui va prendre une fois. Jamais. Tout ce que tu commences prendra du temps pour prendre. Voilà. Quelle que soit l'activité que tu crées. Si tu crées une activité et que le premier jour ça commence à marcher, pose-toi les questions. Tu dois avoir peur. Parce que tu dois avoir peur. Quand tu fais quelque chose et que ça commence à marcher dès le premier jour, c'est comme une femme que tu viens de draguer. Le même jour même, tu peux au lit avec elle. C'est un problème. Voilà. Tu dois te poser la question. Ou je continue à l'engager, ou bien j'arrête. Voilà. Même l'homme que tu rencontres le même jour, vous partez au lit là, et la fête là se lève, et il dit qu'il tient à toi. Pose-toi la question. Donc voilà. Donc chaque business que tu crées, sache que ça doit prendre le temps. Et tout ce qui prend le temps a une longue vie. Voilà. Tout ce qui prend le temps a une longue vie. Bonjour, bonjour à toi, Kenya. Oh, le grand Wako. Ça dit quoi? Mais il y a ton complice qui est au Cameroun là. Je le vois constamment au tribunal de Bonanjo. Il a sa maison qu'il avait achetée à l'époque. Nana. Nana. Il y a un monsieur là qui m'a contacté. Il dit qu'il vit à Nairobi. Actuellement, il est au Cameroun. Il a même gagné le procès. Il a une maison à Dedo là. Vous voyez les effets de l'absence. On dit que la nature a horreur du vide. Voilà un grand à l'époque, voilà un grand qui a acheté sa maison à l'époque au Cameroun. Il a acheté sa maison au Cameroun. Mais le fait qu'il n'était pas là, les gens sont allés fabriquer les faux documents. Jusqu'à enlever même ses locataires et entrer habiter dans la maison. Bon, lui aussi, comme c'est un dû, il est rentré ce qu'il a récupéré la maison. Où est les affaires du Cameroun? Alors que donc, tu achètes ta maison avec le titre foncier. Le propriétaire meurt. Toi dehors, les locataires que tu as mis à l'intérieur, les nouveaux acquéreurs avec les faux documents viennent enlever tes locataires jusqu'à ils s'accaparent de la maison. Quand tu aux gens que si tu décides de rentrer au Cameroun, oublie le dehors, viens vivre ici là. Ça ne sert à rien de faire les choses, tu n'es pas là. Sinon, tu fabriques les monstres et sont eux qui vont te tuer le jour que tu vas venir au Cameroun. Les gens ne vont pas comprendre ça. Voilà. Beaucoup de personnes de la diaspora qui meurent au Cameroun, vous allez voir que beaucoup d'eux sont des gens qui avaient déjà un peu placé certains biens quelque part. Ils ont placé le cousin. Voilà un grand qui est venu l'autre jour. Il a mis son petit neveu dans sa maison comme chef chantier. L'immeuble est fini. Le petit neveu, ça fait 3 ans que l'immeuble est fini. L'oncle a donné l'appartement à son neveu. Ici à Santa Barbara. Qu'en attendant, habite d'abord là-bas. Le grand frère arrive, l'oncle arrive, il achète un terrain au petit, à lundi. Le petit refuse. Il dit que mes petits frères, tu as conçu la maison là-bas, 2 chambres, un salon, tu peux habiter là-bas, c'est ta maison, c'est ton titre foncier. Le petit dit que lui là, c'est son appartement là-bas. Ah, mais actuellement c'est la guerre. Actuellement c'est la guerre. Alors bonjour à tout le monde, voilà. Le vif du sujet aujourd'hui, nous allons parler de... Voilà. Non, c'est pourquoi moi je vous dis, si tu veux investir au Cameroun, sois-en sûr que tu dois être là. Voilà le gars de Kenneth là, Gilles, le gars qui est en France là. Il a créé sa palmeraie. Il a créé sa palmeraie là. Est-ce que vous savez que c'est la guerre actuellement? Avec l'un des proches, quand il dit que l'un des proches, j'ai pas envie de citer. Imagine, tu as ton business. C'est la guerre et celui qui te met les bâtons dans la roue, dans les roues là. C'est quelqu'un qui est très proche de toi. Il n'a pas envie d'appeler le nom. Voilà. Il n'a pas envie d'appeler le nom. Donc, c'est le problème. Parce que la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Quand tu as ta chose qui rapporte un peu d'argent, ok, et qui profite à certaines personnes,
Ces gens souhaitent que toute ta vie, tu restes dehors. Ouais, ils souhaitent que tu meurs même. Alors, voilà pourquoi quand tu viens au Cameroun, ça les énerve. Ils veulent même que tu meurs. Vous ne voyez pas quand tu es souvent dehors, là, tu sais même les doigts d'Anga. Le fait que tu as mis l'on dehors, elle te répond mal. Elle te parle avec manque de respect. Ta femme te manque de respect parce que tu as mis l'on dehors. Alors c'est toi qui scènes les deux pour que tu... Bonjour madame. Comment va monsieur? Ok. Donc voilà, comme je disais tantôt, dans la nature horreur du vide, tu veux... Si tu veux investir au Cameroun, décide que dorénavant, tu seras au Cameroun constamment. Voilà. Sinon, tu seras une future proie, une victime. Regardez bien tous ceux qu'on tue là. Tous ceux qu'on tue sont les gens qui ont déjà quelque chose au Cameroun. Elle avait déjà le terrain. Elle discutait une maison avec elle. Il avait déjà telle chose. Il discutait avec son petit frère, avec les frères. Mon ami, tu as un bien au Cameroun. Les temps sont tellement durs que tu as ton bien au Cameroun qui rapporte 100 000. Mon frère, tu viens au Cameroun, tu fais 6 mois, tu énerves les gens. Voilà, on te demande, tu rentres quand? Oh. Mon grand, tu rentres quand? Et de sur quoi tu commences à chercher une gare? Et puis ils ont l'intention que tu vas épouser la femme là. C'est là où tes problèmes commencent. Quand tu as des gars, jusqu'à la famille connaît que voici la gare que notre frère va épouser. Merde, merde, merde. Donc le gars, s'il a donc bientôt, il ne doit plus durer dehors. Il cherche dans la femme. Oh, tu vois comment la soeur fait semblant d'aimer la gare. Vous les filles là, quand vous rencontrez les voyageurs, les gars de la diaspora, allez, arrêtez d'aller dans les belles familles ou manger n'importe comment. Il faut bien lire là, les yeux de la belle famille. Voilà, vous qui partez là, vous dites que non, ma belle sœur m'aime beaucoup. Mon beau-frère m'aime beaucoup. Il faut apprendre parfois à ouvrir tes oreilles. Ouvre tes oreilles. Que la maison que le beau-frère, le grand frère de mon gars qui a dit qu'il va m'épouser là, la sœur de mon gars qui a dit qu'il va m'épouser là, quel est le lien? Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Parce que dès lors que tu vas entrer dans la vie de ce gars, quand la relation sera sérieuse, ta vie sera en danger. Donc faites attention. Voilà, faites attention. Il y a parfois dans la vie, on cherche où la mort d'une fille sort. Alors que parfois, ça arrive comme ça là, dans la belle famille. Parce que le gars dit qu'il va t'épouser. Et quand il dit qu'il va t'épouser, ça veut dire que quoi? L'argent va commencer à passer par toi. Et ça fait problème. Tu deviens un ennemi à abattre dans la famille. Bon, comme les gens sont bêtes, que non, il a dit qu'il va m'épouser. Mes beaux-frères m'aiment beaucoup. Mais ah bon, hein, le beau-frère qui t'aime là, la maison que tu habites là, c'est la maison de ton gars. Ça veut dire que quand la relation sera sérieuse là, ça veut dire que le beau là doit sortir de la maison. Il n'en veut pas à son frère. Il va en vouloir qu'à toi. Que pourquoi tu as accepté? Pourquoi son frère est tombé amoureux de toi? Et ça, voilà les problèmes. Mon beau frère m'aime beaucoup, ma belle soeur. C'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Voilà. Donc les filles, protégez-vous. Partez dans les familles des gens, vous voyez, vous ne connaissez pas l'historique. L'amour rend aveugle, mais parfois, là, ouvre bien tes oreilles. Voilà. Ouvre bien tes oreilles. Voilà. Il faut parfois chercher à connaître l'histoire. Et la majorité des gars qui voyagent là, les beaux ailleurs, c'est les familles des pauvres. Donc comme tu le vois là, il est tout pour sa famille. Et quiconque va venir nuire, va venir enfreindre leur intérêt, cette personne sera l'homme à abattre. Voilà pourquoi vous voyez dans certaines familles, quand on gagne un peu, vous voyez toujours qu'on traite sa femme de sorcière. C'est pourquoi, parce qu'elle est venue couper les vivres. Et alors que le gars normalement doit se marier, il doit avoir une famille, il doit fonder une famille. Et ça fait problème. Le même gars qu'on interdit d'avoir une femme et les enfants, ces cadets qui ont 20 ans, ont déjà femme et enfants. Mais on ne dit pas que non, c'est très tôt pour eux. Mais toi, le gars qui te bat, non, c'est trop tôt pour toi. Non, c'est trop tôt, vraiment. Pourquoi maintenant tu veux te marier? Pendant ce temps, ton argent là, à cause de ton argent, ta petite soeur, la mère a pris ton argent, allait donner à son beau-fils. Il est venu doter ta petite soeur, ta troisième petite soeur. Avec ton argent, on est parti doter la femme à ton petit frère, ton cadet. Toi, tu es là 40 ans, 43 ans.
Nanga, tu sais que je suis le successeur de la famille. Ah bon, hein? Donc le successeur n'a pas droit à l'enfant. Hein? Bon, qui va se succéder si tu n'as pas de famille? Je suis le successeur de mon père. Ah bon? Donc tu es le successeur de ton père parce que ton père t'a mis au monde. Donc, comme tu es successeur là, tu ne dois pas aussi faire ta vie pour que quelqu'un d'autre te succède. Donc, ce sont les autres qui doivent faire les familles avec ton argent. Je suis le successeur de la famille. Ah bon? Donc, être successeur veut dire qu'on va sacrifier ses entrailles. Donc, tu ne dois pas avoir de femme, tu ne dois pas avoir les enfants. Elle voit les paroles bêtes que je suis successeur de ma famille, je suis le chef de famille. Ah bon? Donc, tu es l'homme à tout faire. Et ta vie? Tu n'auras pas d'enfants. Donc, après toi, c'est fini sur terre. Petit rat. On va t'enterrer avec le tronc du bananier. Mboutman. Je suis le successeur de la famille. Donc, mes chers frères, la vidéo de ce matin, c'est pour parler des hommes qui vont en prison pour la femme, à cause de la femme. Tu sais, nous tous, on a les responsabilités, on a des charges. Mais beaucoup de personnes sont en prison à cause de la femme. Voilà. Et la même femme demain va se marier. Ne cède jamais aux caprices d'une femme. Quelle que soit la raison, ne cède pas aux caprices d'une femme. Parce que beaucoup de personnes sont en prison aujourd'hui. Beaucoup d'hommes. Pourquoi les hommes sont nombreux en prison? Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire l'impossible pour satisfaire une femme. L'impossible pour satisfaire une femme. Alors qu'une femme qui t'aime ne peut pas te mettre la pression. Parce que quand une femme connaît ta capacité, ce que tu es capable de faire, elle ne te met jamais la pression. Ou quel que soit le problème. Parce qu'elle sait que, sans te parler, tu es quelqu'un qui réagit toujours au problème de la famille. Mais pourquoi c'est de quoi tu es capable? Mais pourquoi te mettre la pression? Ça veut dire qu'on appelle ça le manque d'amour. Pourquoi? Parce que si tu mets la pression à un homme, sachant ce qu'il est capable de faire pour toi, s'il se retrouve en prison, c'est à cause de toi. S'il se retrouve en prison, c'est à cause de toi. J'ai un ami aujourd'hui qui est en prison en Suède, un Camerounais. Il a 11 ans de prison. Il était comptable d'une grande boîte. Un gars qui gagnait dans les bars presque 5500 euros. Depuis 5 ans, il est en prison. Et la fille, elle a eu un autre gars, hein, puisqu'ils ont fait deux enfants. Quand j'ai vu la fille l'autre jour au supermarché, c'est là où j'ai dit, je vais parler d'histoire-ci là. Voilà un gars qui met la main dans la caisse de sa boîte. Il porte plus de 300 000 euros. À cause de la femme. Non, chérie, il nous faut l'appartement. Il faut la pression. Oh, les enfants. Oh. Là, voilà aujourd'hui. Elle est incapable d'attendre le gars. Aujourd'hui, elle passe faire une autre vie. Le gars est en prison. Il a perdu son travail. Donc, vous, les jeunes gars, aujourd'hui, là, vous qui partez risquer au nom de la femme, c'est dangereux. Je vous parle, nous tous, on est passés par là. Voilà, il est mieux parfois de prendre les effets de la vie, ce qu'on a vécu. Pour partager avec ceux d'aujourd'hui qui ne comprennent rien. Moi qui vous parle, quand je dis que je suis rentré au Cameroun à l'époque, on m'a arrêté, on m'a envoyé en prison là. C'est parce que j'avais les dettes au Cameroun. Voilà, j'avais les dettes au Cameroun. Je suis rentré toujours au nom de la femme. Voilà, au nom de la femme, je suis parti en prison. Bien beau, je n'avais pas été condamné, mais j'ai fait un mois de prison. Ici au Cameroun, j'ai fait un mois de prison alors que je savais que j'avais les dettes. Et il suffisait d'avoir seulement l'argent pour venir rembourser. Juste parce que je disais que je viens défendre la femme. Non, on a dit que la femme a fait comme ça. J'étais jeune. Mais aujourd'hui, tout ce que peut te dire mon jeune frère, prends ton temps. Si tu sais que tu es responsable, si tu connais tes qualités, même au nom de l'enfant, qu'on ne te mette pas la pression. Non. Il y a les enfants qui n'ont pas de père ni de mère, qui vivent. Qu'on ne te mette pas la pression, ne pas faire l'impossible au nom de l'enfant. Voilà. Il est mieux d'avoir un père vivant, un père libre, que d'avoir un père en prison. Mais il faut comprendre ça. Parce que je vois certaines personnes ici là, que non, vraiment, les gens abusent leurs meilleurs amis. Les gens abusent les relations de 20 ans, de 25 ans, au nom de la femme. Il ne faut jamais faire ça, petit frère. Ah, c'est un conseil de grand frère. Voilà. Tu peux abuser tout le monde entier. La même femme demain t'abandonne. Dès lors que tu n'es plus là, elle t'abandonne. C'est comme ça. Elle va beau pleurer, elle va t'abandonner. C'est ça la vie. Elle va beau regretter, mais elle va t'abandonner. Et tu vas mourir deux fois. Elle dit que tu auras deux peines. Tu seras en prison
pour avoir risqué. Et maintenant, ta vie est détruite. Et tu risques de te suicider. Il faut faire attention. Et elle ne sera pas en prison avec toi. Elle sera ailleurs en train de vivre sa vie. Donc, quand tu comprends ça, tu n'as plus de problème. Voilà, non, vraiment, il faut faire l'impossible. Non, chérie, l'enfant. Mais est-ce que tu as l'habitude? Tu es un homme qui rationne souvent. Si aujourd'hui, tu n'as pas. Non, mon ami. Et que tu es sorti pour aller te battre. Dieu n'a pas accepté que tu rentres avec quelque chose à la maison. Mais pourquoi tu dois faire l'impossible? Pourquoi tu dois faire l'impossible? Si tu as appelé 10 amis, 5 amis, personne n'a réagi. Les gens qui ont souvent l'habitude de t'aider. Mais tu dois faire comment? Tu dois faire l'impossible alors? Ça veut dire que tu vas aller hypothéquer la voiture de ton ami que tu conduis au nom de la famille, mais non. Quand tu sais que tu es honnête, n'abuse pas au nom de la pression de ta femme. Non, non, ne détruis jamais ta relation. Voilà. Bêta, non, il y a les relations que bêta, ça se gâte que de te retrouver en prison. Parce que quand tu seras en prison, ça va finir toujours par se gâter. Non, ça va, il faut dire la vérité à certains petits frères. Ne fais pas la concurrence au nom de la femme. Vous voyez même ces membres du gouvernement là. C'est parce qu'au départ, quand tu commences un peu à voler, tu commences à voir la vie des autres couples. Non, hé, mais dis donc. Mais la femme du gars là, la ML, bon, le gars va élever le niveau. Le gars va élever le niveau. Et tu connais, au départ, la femme ne connaît pas ce que veut dire le vol. Mais c'est souvent, quand l'homme l'habitude à la grande vie, elle finit par aimer la grande vie plus que le mari. Regardez bien. La femme t'aime avec tous tes défauts au départ. Mais parfois, c'est toi qui l'amènes dans le monde là. J'ai un ami aujourd'hui. Si sa femme part en boîte, si elle n'a pas 500 000, mon ami, elle ne part pas en boîte. Parce que son mari, c'est un grand faroteur. Le gars a voulu sortir du farotage. Sa femme est calée dedans. Donc tout ce que tu montres à ta femme, elle finit par devenir ton parrain dans l'affaire. Mais oui, elle finit par devenir ton parrain. Donc c'est pour dire, petit frère, il y a des choses que bêta, non? Laisse ta femme comme ça là. Ah oui, laisse ta femme comme ça. Je prends un exemple. Ma femme à l'époque conduisait, à l'époque quand j'avais la RAV4, la Carina E, elle conduisait cette voiture. Elle conduisait cette voiture. Maintenant, à un moment, quand nous sommes venus vivre à Douala, elle avait des problèmes pour conduire. On me dit qu'un ami m'a dit que, mais gars, tu peux bring ta Mercedes au Cameroun. C'est là où j'ai porté le ML, j'ai amené au Cameroun. Depuis qu'on est à Douala, elle ne connaît pas conduire. Ça m'énerve parfois. Mais un grand m'a dit, petit frère, mais si elle ne connaît pas conduire, où est le problème? Mon ami, c'est les charges de moi, non? Il faut la laisser dans sa position. Petit frère, me voici là. Ma femme conduit. Quand je ne suis pas là, la maison tourne comme si je suis là. Pourquoi? Parce qu'elle utilise la voiture, ça consomme. Petit frère, laisse ta femme là-bas. Livre-so, laisse qu'elle prenne la moto. Ça fait quoi? C'est ta volonté. Tu as fait de ton mieux. Mais ne lui mets pas la pression. Parce que si tu lui mets la pression, jusqu'à prendre goût à la Mercedes là, mon ami, c'est 10 000 par jour, 15 000. Et connais que dans la vie, quand tu apprends les bonnes choses à une femme, mon ami, même toi-même, tu seras incapable de l'enlever dedans. Le grand là m'a wise, un grand, il m'a wise, il me dit, petit frère, non. Non, laisse-la comme ça. Faut la laisser. Les filles sont dans ça. Tu vas la prendre de quoi là? Hey, Dieu. Oh oh. Donc, c'est pour dire quoi, mon frère, ma soeur. Il faut beaucoup faire attention. Bah, je vois les gens qui cèdent aux caprices de la femme. Tu cèdes aux caprices de la femme. Considère-toi comme un sacrifié. Mon frère, le formulaire n'est pas seulement parce que tu vas tuer les gens. Hein. Non. Il y a les formulaires que toi-même tu meurs dans le film. Voilà. Et ça fait plus mal. Parce que tu commences à lire quand tu es en prison derrière les barreaux toi seul. Hein? On te cite les chefs d'accusation. Les gens que tu as abusés. Tu as commis un dégât. Tu as m'abusé une relation jusqu'à la personne est morte. Mon frère, ma soeur, tu es le sacrifié dans cette relation. Et que tu es mort en guerre. Il faut beaucoup faire attention. Mes jeunes frères d'aujourd'hui. Voilà. Il faut beaucoup faire attention. Et ce n'est pas bien. Et les femmes aussi. Calmez-vous, arrêtez de mettre la pression aux hommes. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez souvent dans certaines familles, on déteste certaines femmes. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'homme là, notre frère là, il est en train de subir comme ça là, la pression de sa femme. Mais il ne peut pas dire la vérité. Voilà. Parce que moi, à l'époque, je ne pouvais pas dire que je suis bac à cause de l'anglais. C'est bien beau. Ma venue au Cameroun m'a rendu mature. Parce que quand je viens au Cameroun, deux semaines après, pas, on me met même. On dit, monsieur, tu as la dette ici. Tu ne peux pas payer, non? Ok, maintenant, on va transformer ça en abus de confiance.
Au départ, c'était reconnaissant de dette. Mais les échéances sont passées, tout et tout, le temps est passé, tu n'as jamais remboursé. Tu avais commencé l'avance, après tu as disparu. Voilà. Parce qu'il fallait que tu partes. Je suis parti, ça n'a pas marché. J'ai compris la pression, oh, les caprices par là, on a fait comme ça, oh, là où tu avais dit qu'on me donne l'argent, on me donne plus l'argent. Oh, nanani, nanana. Comme ça, j'ai porté les pieds, kounia, 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 kounia. Je suis venu, mon frère, et j'étais devenu papa aussi, j'étais devenu papa. On m'a pris que, avec la poussette là, la poussette de bébé là, on m'a pris que là, 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 voilà. On m'a mis les menottes que là. Donc on a seulement appelé quelqu'un de venir chercher l'enfant. Comme je suis parti là devant le procureur, le même soir là, pop, j'étais en gata. J'étais en gata. Voilà. Donc voilà comment un gars qui a 11 millions de dettes, il se lève pour aller chercher l'argent. Là où il y a l'argent. Mais il rentre parce qu'il a, il écoute la pression. Et il y a la pression, mon frère. Que tu sois là ou pas, ce qui va arriver. Bats-toi là-bas, les miettes qu'il y a. Alors que l'argent du billet d'avion, les pouvoir envoyer. Ah oui. L'argent du billet d'avion, les pouvoir envoyer. Le temps passe. Et puis tu cherches ton argent tranquillement. Il y a les problèmes que laisse au temps son temps. Ça va se résoudre seul. Ou bien il y a les problèmes que dans la vie, prends ton temps pour mieux arranger ça. Ne cours pas. Tu te précipites. C'est toi qui seras le sacrifié. Ah oui. Il faut beaucoup faire attention à la famille. De toute façon, on voit les petits frères aujourd'hui qui ne veulent pas comprendre. Voilà. Quelqu'un choisit le boulot. Que non, je n'ai pas fait telle chose. J'ai moins honte. Et tu as honte? Ok. Elle va aller accepter quelqu'un qui fait le même boulot que toi. Mais qui peut? Qui peut lui mettre à l'aise? L'essentiel, la femme. La femme n'abandonne pas un homme qui peut mieux s'occuper d'elle. Voilà encore l'autre qui sort de sa part. Voilà notre villageois qui sort de sa part. On parle d'une vraie histoire. Histoire, les histoires de passeport singapourien. Donc, tu t'as dit, pour toi, tu confonds le pays le plus puissant du monde et le passeport le plus puissant du monde. Le pays le plus puissant du monde peut être puissant, mais que le passeport n'est pas le passeport le plus puissant. Pourquoi? Parce que les États-Unis font les guerres. Singapour ne fait pas la guerre. Le passeport japonais est même plus puissant que le passeport américain. Le passeport singapourien est le passeport est même plus puissant que les... Bon, parlons des États-Unis. Le passeport singapourien est plus puissant que le passeport américain. Pourquoi? Parce qu'il va dans plusieurs pays que les États-Unis. Les Américains, l'Américain ne vient pas au Cameroun sans visa. Je prends un exemple. En fait, la majorité des pays africains, les Américains prennent le visa. Alors, tu comprends? Quand vous êtes trop bêtes là, quand on parle, le discernement est un problème au Cameroun. Les Camerounais, vous êtes trop perdus. Voilà un jeune gars, peut-être il a même besoin du conseil. Mais il est complexé de l'affaire. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il sait que Singapour, c'est en Asie. Mais mon ami, fais attention. Singapour, c'est même américain. Il faut dire, parlons peu, parlons vrai. Singapour, c'est comme les Américains. Ils sont style américain. Les policiers là-bas, tout le monde s'habille comme américain. C'est un système américain. C'est comme les villes comme Hong Kong. Tu vas parler quoi? Le passeport Hong Kong. De Hong Kong, là. Ils vont partout. Donc, avoir un passeport puissant ne veut pas dire qu'on est un pays puissant. Et tu comprends, petit bête que tu sois. On a parlé de choses importantes. Non, non, non. Le passeport puissant ne veut pas dire qu'on a l'armée la plus puissante. Les États-Unis ont l'armée la plus puissante, peut-être. Mais, ils n'ont pas le passeport le plus puissant. Et tu comprends? Parce qu'ils font les guerres. Un Américain va en Irak, sa vie est en danger. Alors qu'un Singapourien va en Irak, sa vie n'est pas en danger. Parce qu'il ne participe pas aux guerres. Un Américain va en Afghanistan, sa vie est en danger. Pourquoi? Parce qu'ils font les guerres. Alors qu'un Singapourien peut aller en Afghanistan, il n'a pas eu de problème. Un Américain ne peut pas aller en Iran. Parce qu'ils ont fait la guerre en Iran. C'est l'ennemi des Iraniens. Il y a un hôtel là-bas à Téhéran, j'ai oublié le nom de ça. Pour entrer là-bas, il faut piétiner le drapeau des États-Unis. À la réception, on a mis comme ça là, on a mis ça au sol. C'est-à-dire que le designer, l'artiste, je ne sais pas comment il a fait là-bas. Donc on a mis ça à l'entrée de l'hôtel. Donc pour entrer là-bas, tu piétines le drapeau des États-Unis. Tu piétines. Ça veut dire que Nick Zakamagab, America.
Donc vous êtes trop bête, petit frère. Quand vous venez dans les directs, au lieu de profiter, restez calme, vous écoutez un homme qui a vu le monde entier. Mais ça devient un débat. On a parlé de ta vie. Toi voilà, toi-même, peut-être tu es comme ça là. Tous tes dos que tu vois, tu es en train de s'enatanga. Tu es en train de s'enkainga ici là, qui est en train de se faire chicoter par une autre personne. Toi, ça ne te dérange pas. On va te présenter un enfant demain qui ne sera pas ton enfant. On va t'abuser dans tous les sens. Tu as peut-être en partant l'autre jour, tu as laissé une femme enceinte. Tu n'aimes pas savoir si à combien de mois elle est. Elle te colle dans tous les niveaux. Mbalenga qui te colle à tous les niveaux. Elle ne veut même pas que tu envoies un membre de ta famille voir la grossesse, à quel niveau la grossesse est. Le mouvement vient de dire, non, le passeport singapourien, tu veux dire que quoi? Petit rat. Même les Français viennent au Cameroun avec le visa. Le passeport français n'est pas un passeport trop puissant comme tu penses. Le passeport italien est plus fort. C'est-à-dire que le passeport italien, là, les Italiens vont dans plusieurs pays que la France. L'Espagne va dans plusieurs pays que la France. Là, tu comprends? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous ne connaissez pas, là, venez vous faire éduquer. En fait, peut-être tu veux une information, je ne sais pas. Ben, venez dans le bon sens. Venez dans le bon. Vous êtes nombreux là à vivre dans l'émotion. Vous êtes nombreux là à frustrer les gens. Les moins courageux restent dans le silence. Et puis, laisse les gens souffrir. Voilà notre soeur là, qui est venue sur la toile. Elle s'appelle la croqueuse diamantaire. Voilà cette dame aujourd'hui. J'ai appris qu'elle est à Boya. Voilà les actes humanitaires. Les actes à saluer. Mais vous êtes nombreux à faire le sabotage de cette fille. Là, voilà aujourd'hui qui est en train de poser les actes que vous n'avez eu jamais le courage de faire même dans vos quartiers où vous habitez. Oui, peut-être elle veut se faire voir. Mais on peut se faire voir de la bonne des manières. Voilà un acte salutaire. Elle a Boya. Beaucoup de vous là, depuis que la guerre a commencé dans le Nozo, combien de vous connaissent la route du sud-ouest? Combien de vous connaissent la route du nord-ouest? Même certains activistes connaissent la route. La route là, personne ne connaît la route là. C'est qui? Comment va, champion? C'est comment? Voilà. Maintenant, c'est à cause des gens, vous êtes nombreux là, à cause de vous, vous frustrez les gens. Et les gens restent dans la souffrance. Vous aimez le sabotage. Dans un pays comme le Cameroun, hein, où la souffrance a pris, c'est-à-dire où la souffrance a pris le dessus. Dans un système comme le Cameroun, où les membres du gouvernement se sont accaparés de toutes les richesses. Hein? Il faut avoir une stratégie. La stratégie, c'est quoi? Les Ivoiriens ont compris cela. La stratégie, c'est quoi? Arrêtez de frustrer les gens. Les gens qui viennent de la bonne des manières. Dans un pays comme le Cameroun, où les fonctionnaires s'accaparent de tout. Quand quelqu'un n'est pas fonctionnaire, ministre, mon frère, je ne dis pas notre sur ses dos. Pourquoi? Parce qu'en voulant dire notre sur ses dos, vous le frustrez. Et les autres payent le prix. On doit l'encourager, elle faraude les gens. On l'encourage, elle faraude les gens. Hein? Le jour que ses dos volaient, si elle a choisi d'autres quelque part, ah, si le pire arrive là-bas, ça la regarde. Au moins, elle a aidé les gens. Il est mieux de vivre en aidant les gens que de mourir sans aider personne. Parce que la seule chose qu'on garde de toi, c'est les actes positifs que tu as posés. Il y a des gens qui meurent ici dehors, ils ont les immeubles, ils ne donnent rien à personne. Ils n'ont jamais aidé personne. Aujourd'hui, voilà cette dame qui est là-bas en train de poser les actes que moi j'adore. Moi j'ai toujours dit c'est ça, être dans le social. Mais vous allez là partager les fausses vidéos. Vous allez voir, personne n'aura le courage de partager. Envoyez-moi les photos là, moi je vais les partager sur ma page. Les photos où elle est en train de faire les dons. Parce que voilà la chute de quelqu'un. Ça veut dire que c'est une fille qui a une vision. Elle veut se faire connaître, oui. Mais elle a une autre vision de la vie que les autres n'ont pas. Et c'est comme ça que nous on a commencé dans les réseaux sociaux. Quand on a fait le forage en Banga, oh les gars, s'ils veulent se faire voir, les gars, le Banga de la diaspora, oh ils veulent se faire voir. Aujourd'hui, le forage est là. Qui profite? Qui profite? Et c'était ma manière d'inciter les gars de Banga, les hommes d'affaires qui font le cacao. C'était une forme de challenge. J'avais gardé ça dans mon cœur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en Banga, pour eux, c'est boire les bières. Tu vois le gros ventre, j'ai l'argent. Mais personne d'eux n'a un robinet devant la porte pour partager l'eau aux gens. Certains quelques qui ont le forage, c'est pour eux seuls avec leur famille.
Tu oublies que le forage doit circuler. Sinon, tu empoisonnes ton forage. Mais combien de personnes comprennent ça? Donc, parfois dans la vie, quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, même si tu ne l'aimes pas, laisse-le. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'inciter les gens. S'il ne prend pas les photos, tu vas voir comment. Vous allez voir beaucoup de personnes qui disent non, elle n'avait pas le droit de filmer. Mon frère, même la photo de Jésus là, votre Jésus là, c'est partout dans les églises, c'est la propagande. C'est la propagande, mon gars. Il n'y a personne qui fait la propagande comme les catholiques. Ils mettent les photos de Jésus partout. Hein? C'est la propagande. Tu es qui pour ne pas faire la propagande? Les gens qui ont l'armée, les gens qui ont tout l'argent du monde, tous les terrains du monde appartiennent aux catholiques. Mais ils continuent à faire la propagande. Mais pour vous, c'est que non, pourquoi elle a filmé telle? Elle a filmé comme ça, pourquoi? Si elle ne filme pas, tu vas voir comment. N'est pas c'est toi qui vas venir dire qu'elle mentait. Même si ce n'est pas 1 million qu'elle a donné. C'est la propagande. Elle a donné 200 000. Toi, donne même 10 millions, on voit. Donc, dans un monde pauvre et endetté comme le Cameroun, où c'est les fonctionnaires qui sont les plus riches. Arrêtez de fusiller les gens en posant des questions bizarres. Que non, où vient la source de son argent? Ton voisin est inspecteur des impôts. Va lui demander où sort son argent. Tu connais combien touche un inspecteur des impôts? Va au domaine là-bas, tu vois les petits gars là. Ils ont le CEP. Au domaine, au cadastre. Allez au domaine, vous voyez les agents des domaines là. Vous allez voir un gars là-bas. Va au parking, tu vois sa marque de voiture. Un gars qui n'a même pas 100 000. Un gars qui travaille au domaine. Au lieu de te poser la question sur la chérité de la vie. Le CEP, le certificat de propriété. Le prix normal, c'est quitter de 3 500, maintenant c'est à 20 000. Ça veut dire que maintenant, pour avoir un titre de propriété, il te faut débourser 40 000 peut-être. Parce que 20 000 au-dessus, c'est pour quelqu'un qui est dans un bureau, qui est matriculé, qui est fonctionnaire. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. L'aigreur, les familles. Ça veut dire que c'est le pauvre qui va rester dans la pauvreté, c'est vrai. Il y a les pauvres qui méritent la pauvreté. Mon ami, un pauvre doit aimer la talakou. Mais oui, quand tu es pauvre, aime la talakou. Voilà. Quand tu es pauvre, aime la talakou. Sois rigoureux avec tous ceux-là qui sont la cause du malheur du peuple. Voilà, voilà, tu dois apprendre à faire la part des choses. Quand tu vois un gars qui sort de nulle part là, mon ami, va avec lui. C'est le pourquoi j'avais toujours compris la pyro de Mbanga. Au départ, je ne comprenais pas la pyro de Mbanga. Comme les grands, pourquoi tu appelles tout le nom de certains gens tu appelles tout le nom des Donman. Il dit petit frère, c'est les gars du Mboko. Hein? Ils n'ont pas pris l'argent au Cameroun. Hein, ils ne gèrent pas la fortune publique. Ils ne nuisent pas au Cameroun. Parce que j'ai dit que mes grands, je t'ai vu avec tel mec, tu n'appelles jamais son nom. Il dit que non, celui-là, c'est un membre du gouvernement, c'est un fonctionnaire. J'appelle les noms des boys. J'appelle le nom des commerçants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien à voir avec la fortune publique. Directement. On ne dit pas qu'il y a les hommes d'affaires qui sont financés par le régime. Mais c'est indirectement. Tu peux être là, tu veux le changement. Hein? Tu peux t'attaquer à une minable personne. Quelqu'un qui sauve de nulle part avec son argent. Je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Voilà. S'il s'exhibe avec son argent, mais c'est la faute à qui? Mais c'est la faute au système. Puisque la loi n'a pas prévu cela. Il y a l'article, mais ce n'est pas seulement mis en application. L'article 66 n'est pas mis en vigueur. Pourquoi? Parce que l'article 66, si c'était mis en vigueur, on te voit avec ton argent. Mon ami, on te pose la question. L'argent s'y sort d'où? Mais oui. L'argent s'y sort d'où? Ça donne le pouvoir à tout magistrat, à tout officier de police judiciaire, à venir t'interpeller. Monsieur, montrez-moi la source de votre argent. Mais alors, quand il voit les minables personnes, que non, dans un pays normal, on devait déjà l'interpeller. Ah bon? Le Cameroun n'est pas un pays normal alors. C'est depuis le haut sommet d'État. Dans un pays comme ça là que votre type lui-même a 40 ans au pouvoir, il est dans l'illégalité. Dans un pays comme ça que les délégués régionaux, les gouverneurs ont déjà l'âge de partir en retraite. Voilà les vrais sujets. Vous êtes incapables parce que chacun veut les likes, chacun veut les vues. J'ai dit que je ne parle plus de certaines choses, mais quand je vois souvent la prise de position de certaines personnes, nous sommes dans un pays où s'il y a 10 gouverneurs de région, s'il y a 10 gouverneurs, écoutez-moi bien, s'il y a 10 gouverneurs, 8 ont déjà l'âge de la retraite. Donc ils ont là plus de 60 ans, mais ils sont en service. Ça c'est l'illégalité. Ils sont dans l'illégalité. Voilà. On a les délégués régionaux. La majorité ont là de la retraite. Voilà le régional ici là, de la police. Combien on a là?
On a donné 2 ans combien de fois? 2 fois. Donc on prolonge sa retraite. 2 ans. Quelqu'un qui devait laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà les gens qui tuent le pays. Vous connaissez quand un gouverneur part en retraite, ce que ça fait? Ça donne la place à un préfet. L'adjoint préfectoral devient sous-préfet et le sous-préfet devient peut-être préfet. C'est-à-dire que voilà comme ça, là, près de 10 générations, les personnes qui vont avoir la promotion, peut-être de 10 générations, quand tu pars en retraite, tu laisses la place à tout un contingent de personnes qui vont avoir la promotion. Mais oui, tant que les gens ne vont pas en retraite, les gens vont avoir la promotion comment? Dans un pays où les gens ne vont pas en retraite, tu dois avoir la promotion comment? Comment? Voilà pourquoi les fonctionnaires ne se font pas confiance. Moins de rangs, tu élimines. On t'élimine. Vous voyez, on te dit qu'un commissaire ne peut pas boire la tasse avec son adjoint. Vous voyez souvent dans certains bureaux, vous comprenez que comme le directeur est mort, le directeur est mort. Pourquoi? Parce que l'autre est parti négocier. On a dit que, ah, sauf si peut-être l'autre là disparaît. Hein? L'autre là disparaît. Alors dans un pays normal, mais mon ami, chacun attend son tour naturellement. La promotion te fait gravir les échelons. Mais c'est comme ça. Mais au lieu de vous intéresser dans les pareils sujets, vous êtes dans les faux sujets. À vous attaquer aux personnes qui ne servent à rien. Parce que vrai, mon ami, un Camerounais qui vient avec son argent, qui se pavane là, il n'impacte dans rien. Il dit bien qu'il n'impacte dans rien. Mais s'il peut aider, mon ami, si c'était en Côte d'Ivoire, on l'aide à manger l'argent là. On l'aide. En voulant voir, on se rend compte qu'elle a changé la vie de plusieurs personnes. Et c'est ça. Mais l'aigreur, la méchanceté. Le Camerounais, c'est l'un des Africains les plus méchants. Voilà. Sauf que quand moi je vois les Camerounais du Cameroun, je me méfie d'eux. Vous allez voir, regardez même tous ceux qui font les fausses sorties là. Regardez bien les blogueurs, blogueuses là, qui sont contre la fille là. C'est les blogueurs camerounais. Parce qu'ils sont aigris. La jalousie. Ils ont peur de leur position. Ils ont peur que la fille va les détrôner. L'aigreur commence. Voilà, parce que elles ne savent pas. Parce qu'elles sont tout sauf rien. Les villas, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Au lieu de placer les produits, se calmer, ça devient que c'est elle qui est la source de leur malheur. Mon frère, la fille a mûri son projet. Elle vous met au travail. La fille a mûri son projet. Vous croyez qu'elle vient de nulle part? Elle vient de quelque part. Elle a mûri son projet. Les gens disent que non, elle va profiter, elle va gagner. J'ai compris le temps. C'est une stratégie. L'autre jour, j'ai vu l'une de ces vidéos-là. Elle est dans un hôtel. On montre le nom de l'hôtel. Pourquoi que c'est gratuit? C'est l'argent déjà. Elle gagne déjà. Quand vous êtes bête là, on dit travaille votre image. Passez le temps seulement à clasher. Les clashs non-sens. Les clashs qui ne vous profitent même pas à vous-même. Parce que quand tu commences à clasher pour rien, sans raison, hein, ça tue même ton esprit toi-même. Bon, hélas, tant pis pour vous. Hein. Voilà. Ce qu'elle fait là, les Américains font ça depuis les années. Ce qu'elle est en train de faire là. Vous voyez les Américains, quelqu'un soit son ballot d'argent, il se balade. Avec les gages du corps. Mais oui, donc ça veut dire que quoi? Mettez-vous au travail. Vous allez voir bientôt plusieurs stratégies. Beaucoup de manières de faire pour avoir le nom. Tout ça, elle veut le nom. Et elle a déjà vu. C'est parti. Hein? Et c'est go-go. Parce qu'elle a placé ça à un niveau high. Ça veut dire que quand tu mets ta vie à un niveau high, peut-être même la voiture là, en location qu'elle a pris. Ah oui. Et puis tout le monde est tombé dedans. Et c'est bien. Petit soeur, vas-y de l'avant. Te voilà à Boya. Combien de personnes peuvent aller à Boya? Et que blogueur, influenceur, vous influencez dans quoi? Vous impactez dans quoi? Voilà ce qui veut dire influenceur, c'est ça. Voilà ce qui veut dire influenceur. Vous êtes dans les concurrences à 2 balles. Dans un pays pauvre et très endetté. Mon ami, ne t'occupe pas de la vie de certaines personnes. Voilà. Je suis avec tous ceux qui donnent à ceux qui n'en ont pas. Quelle que soit la manière. Même si j'avais une mauvaise pensée contre toi, je commence à t'aimer. Dès lors. Regarde, c'est sale là. Regarde, tu crois c'est normal ça? Regarde. Comment c'est comme ça, monsieur? Moi, c'est la coupe, c'est tout. C'est normal. Hein? Donc voilà, nous sommes dans un pays. Non, les Camerounais, non, c'est l'indembi pondem. C'est les feignants. C'est les feignants. Il y a beaucoup là sur la conne, non? Certains qui m'ont attaqué au départ, mais dès lors que tu commences à poser les actes bien, non, je suis avec toi. Quand tu commences à poser les actes bien, jusqu'à peut-être un jour, jusqu'à ce qu'on me dise un jour que le gars, si là, comme tu vois, là, fait comme ça, quoi. Non, là, je m'en prends à toi. Mais dès lors que je me rends compte que tu n'as pas détruit la vie d'un Camerounais pour faire du bien aux autres,
Moi, je suis avec toi. Je t'accompagne, c'est clair. Ma petite soeur, prochainement, quand tu veux partir comme ça à Boyala, il faut nous dire. Il faut annoncer. Chacun peut donner son sac de riz. C'est comme ça. Quitte à toi de donner. Si tu veux, tu ne donnes pas. Tant pis. Au moins, ma conscience est déchargée que j'ai donné. C'est pourquoi quand moi, je prends les choses aux gens pour donner, moi, j'offre normalement. Parce que je sais. Voilà, chacun va porter la bénédiction en offrant. Tant pis pour toi si tu as et tu ne partages pas. Tu vas voir. Voilà. Ouais, le général palestinien, c'est comment, non? A fait un bail. J'espère que tu vas bien. Le Cameroun est toujours hors sujet. Hors sujet. Hors sujet. Alors, mais regardez la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi les Ivoiriens vous dépassent. Voilà. Les Ivoiriens vous dépassent. Ils ont atteint un autre niveau d'hospitalité élevé. Le Camerounais, les gens insultent les autres de racistes. Le Camerounais, c'est un raciste haineux, aigri, jaloux, méchant même, le Camerounais. Avec le temps, je découvre ça. Mais vous vous trompez de cible. Hein? Voilà, vous vous trompez de cible. Et ce qu'elle fait là, vous-même, vous pouvez le faire. Vous-même, là, vous pouvez le faire. Ce qu'elle fait là, elle peut être comme ça, elle n'a même pas encore... Elle peut être là, elle n'a même pas encore dépensé même 5 millions. Ce qu'elle fait là, il suffit seulement que tu pas louer ta voiture. Tu loues une voiture, tu décides que bon, j'ai 2 semaines de beurre chaud. Pap, tu mets le feu. C'est parti. Positivement, on te remarque positivement. Et c'est parti. Demain, elle peut décider d'être chanteuse. Elle fabrique 2 chansons, on met le beat. Pap, c'est parti. C'est fini, non? Vous êtes trop bête. Vous êtes trop bête. Voilà, maintenant elle vous a gagné. Là, voilà, Boya. Bon, allez aussi à Boya, fais le don, on voit. Allez aussi à Boya. Voilà. Allez aussi à Boya. Elle vous met le feu. Voilà. Elle va détourner tous les blogueuses, là, les blogueuses qui naguent les gens. D'autres disent que ils ont 10 000 euros par mois, mais ils ne partagent jamais rien. Il faut les voir. Tu vois un gars acheter, elle dit que tu vois une femme, elle dit qu'elle est blogueuse, la meilleure blogueuse camerounaise. Jamais vous allez les voir dans les orphelinats. Non, c'est quand il y a un dégât pour se faire voir les soi-disant artistes. Vous ne pouvez jamais les voir en train de faire quelque chose. Tout ce qu'elles font, c'est pour profiter. On appelle ça blogueuse. La méchanceté dans rien. Voilà. La méchanceté, le problème c'est l'intérêt. En fait. J'ai compris, le problème c'est l'intérêt. Ils ont peur que la fille va les faire l'ombrage. Voilà. La fille les fait ombrage et ça les énerve. C'est ça le problème avec eux. Non, le Camerounais, mais regardez, non, regardez, le Camerounais est devenu un cimetière, non. Voilà un gars qui a laissé sa femme l'autre jour, venu au Cameroun, il a trouvé la mort. Voilà un gars qui a laissé sa femme, ça ne fait pas une semaine. Ça ne fait pas une semaine. C'est que sa femme a dit que je ne parle pas de ça, que je n'appelle pas son nom. Il y a un gars de la diaspora qui est encore mort. Il venait de la Belgique. Sa femme m'a contacté pour me dire que Mbanga, voilà ce que tu parles chaque jour. Voilà mon mari qui est venu au Cameroun, le voilà qui est mort. Il est mort. C'est comment? Alors, il est mort. Alors, quand vous parlez que c'est un cimetière, vous croyez que les empoisonnements, là, c'est seulement une autre version. Sans compter ceux qui meurent chaque jour. Regardez, depuis que Martinez Ogo est mort, chaque jour, c'est les morts. C'est les morts. C'est les morts, c'est les morts. Nous sommes tous des cadavres au Cameroun. Mais oui. Tu viens au Cameroun pour détourner ton conteneur. Quelqu'un dit qu'il choisit ce qui le plaît. Un douanier. Donc, quelqu'un choisit ce qui le plaît dans ton conteneur. Pour prendre, malgré les chocos qui t'a pris. Alors que toi, tu es un commerçant. Ce n'est même pas ta chose. Tu fais le groupage. Voilà l'article d'un client qu'un douanier décide de prendre sans ton consentement. Il dit que s'il ne prend pas ça, il ne te livre pas le conteneur. Alors que tu as la payé au guichet unique, tu l'as choco. On dit que parfois la violence est bien. Moi, je vous dis ça un jour. Un jour, les gens qui parlent, qui sont douaniers là, les histoires que les gens font souvent là, je sors mon conteneur jusqu'à je paie au guichet unique, ça se retrouve dans ma cour. Mon ami, escalade, tu vas voir ce que je vais te faire. Escalade. Voilà. Il faut escalader. Tu vas confirmer. Tu vas voir certains gars aussi sont nonchalants. Mon ami, parfois là, pour se faire entendre, il faut être prêt à perdre beaucoup de choses. Le message passe. Parfois dans la vie là, il faut accepter être sacrifié pour faire passer le message. Voilà. Vous allez comprendre quand alors. Tant pis pour vous, ça vous regarde. Voilà. Tant pis pour vous, ça vous regarde. On parle aux gens, ils ne sont pas contents. Donc, mes chers petits frères, comme je disais aujourd'hui, nous devons soutenir. Voilà, c'est l'union qui fait la force. Voilà, l'union fait la force.
Nous devons soutenir ceux qui décident de faire du bien. Toujours accompagner. Mais combien de personnes vont partager alors? Mais si c'est là où elle est en train de parler les conneries, vous allez partager. Combien de personnes peuvent partager l'action? L'action qu'elle est en train de faire là. On dit qu'elle était à Boya. Envoyez-moi ça dans mon numéro orange. Dans mon numéro MTN. 683 40 97 55. Quand je tape sa page, ça ne sort pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas quel problème j'ai avec Facebook. Donc, envoyez-moi ces photos-là. Champion. Envoyez-moi ces photos-là. Je vais partager ça. Là où on a fait les dons à Boya. Là. Parce que parfois, tu tapes son nom là, c'est les faux. C'est les faux comptes qui sortent. C'est les faux comptes qui sortent. Donc, petit frère, la vidéo d'aujourd'hui, c'était pour parler à certaines personnes. Ne fais pas l'impossible pour la femme. Fais de ton mieux. Fais ce que tu peux faire. Mais n'accepte pas qu'une femme te mette la pression. Parce que tu go ngata, elle va te sentir. Elle va te sentir. Et fais attention, elle va te régner. Hein. Elle va dire que je ne t'ai pas dit d'aller voler. C'est ça, non, Junior? Il ne faut pas trop aller au ngata. Voilà, il ne faut pas aller au ngata à cause de la femme. Voilà. Fais de ton mieux. Donne ce que tu peux. Fais ce que tu peux. Mais n'accepte pas faire l'impossible. Qui va te sen ngata à cause de l'anga. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gars qui partent en prison. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes gars qui vont en prison. Que non, si elle ne fait pas ça, elle va partir. Et puis quoi? Et puis quoi? Si elle part. Mon ami, un de perdu, 10 de retrouvé. Hein? Dans la vie, quand tu as raison et que quelqu'un décide de te quitter, sache que Dieu va t'envoyer la meilleure personne pour toi. Dans la vie, quand tu as raison et quelle que soit la raison, quelqu'un décide de te quitter malgré tes efforts, sache que automatiquement, la nature et Dieu va réagir à ta faveur. Donc, c'est pourquoi parfois, quand tu as raison là, arrête de plénicher certaines relations. Voilà. Parce qu'en voulant plénicher, parfois, tu perds ta dignité. Et la seule chose qui nous reste, notre énergie positive, c'est notre dignité. Quand tu perds ta dignité, tu as tout perdu. Quand tu perds ta dignité, tu as tout perdu. Quand tu gardes ta dignité, tout vient à toi. L'argent, tout, le bonheur, la réussite. Beaucoup de choses ressortent en toi. Ben, on voit des personnes qui pleurent. La femme a tort, tu pleures. La femme a raison, tu pleures. La femme t'insulte, tu pleures. La femme te parle n'importe comment, tu pleures, mais tu es toujours là. Mais non, n'accepte pas ça, petit frère. Tu es le chef de famille. Même si tu n'as rien, tu es le chef de famille. Quand tu sais que tu es un bosseur, n'accepte pas qu'on te parle n'importe comment. Voilà, c'est pas qu'on te parle bon. Hein. Voilà. Ton père n'était pas trop meilleur. Mais est-ce que ta mère lui parlait n'importe comment? Regarde bien ton père. Ton père n'était pas l'un des meilleurs pères du monde. Oui, vous avez manqué de beaucoup de choses. Mais malgré tout ça, ta mère ne parlait pas n'importe comment à ton père. Et comment toi tu vas accepter qu'on te parle n'importe comment? Hein? On est en train de te réduire à néant. Parce que tout est d'abord spirituel. Hein? Avant d'être physique, tout est d'abord spirituel. Voilà. Parce que quand tu laisses, quand on te malmène au nom de l'amour, tu perds toute l'énergie de ce monde. Voilà. Tu perds tout. Et voilà parfois dans la vie, c'est le pourquoi parfois, quand tu es sûr de toi, l'avenir te donne toujours raison. Voilà. Quand tu es sûr de toi, l'avenir te donne toujours raison. Voilà pourquoi vous voyez souvent certaines relations, quand ça se gâte, l'autre qui crie souvent trop là. Oh, vraiment, je suis quitté. Vraiment, vraiment. Pour finir, parfois, c'est cette personne qui passe buter. Pourquoi? Parce que cette personne prend la séparation comme une vengeance. Ne prends jamais une séparation comme une vengeance. Continue ton mode de vie. Comme hier. Et tu verras le bénéfice de ça. Voilà. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, quand tu sais que tu as eu raison, ne considère jamais une séparation comme une vengeance. Sinon, tu vas céder à la tentation. Et tu vas te buter. Et tu vas faire le mauvais choix. Voilà. Mets-toi au travail. Continue à travailler. C'est tout. Voilà. Surtout que tu avais raison. Ne fais pas l'impossible, petit frère. Tu fais l'impossible, tu es mort en guerre. Voilà. Et même en prison, si tu continues. Même en prison, on va te donner la pression. Je connais quelqu'un qui s'est évadé en prison à cause de l'anga. On l'a encore arrêté, on a encore augmenté le nombre d'années. Ah oui. Dis que non grand. Vraiment, la fille là, on m'a dit qu'elle est en train de sortir avec elle. Tu t'évades au lieu de fuir.
C'est toi qui descends encore pour aller voir la même gars. Que chérie, je t'aime, pourquoi tu me fais ça? Alors, donc, parce que la femme ne t'a pas rendu visite depuis 2 semaines, tu décides de sortir encore. Et voilà quelqu'un que sa prison a fini. Oh. Il lui manque combien? C'est 6 mois de prison. Il sort dans la corvée. Le bon monsieur décide de ne plus rentrer en prison à cause de la femme, parce qu'il va guetter la femme. Oui, bon, tu as attrapé un homme avec qui elle sortait. Ok. Ça a changé quoi alors? Te voilà, tu as fait 1 semaine dehors. On t'a encore arrêté. Te voilà. Tu viens réfugier tes 3 ans de prison. À cause de la femme. Moudman. Maintenant, tu ne sortiras même plus. Ah, petit frère. On voit les petits ici dehors. Tu vois un costaud gars, mais il n'a rien dans sa tête. Rien dans son corps. Rien dans sa tête, rien dans son corps. Ah, tant pis pour vous. La nouvelle génération. Voilà, tant pis pour vous. C'est le matin. J'avais quelques morceaux de canne. Ah, demain, c'est jeudi. Hein. Ah. Bon, demain matin, là, tu peux venir. Comme on ouvre à 10h. Hein? Voilà. Avec Barabbas, vous allez faire 3 paquets. Donc, si ce soir j'ai le temps, je vais faire 3 paquets et puis vous allez laver. Vous lavez ça ce soir. Et on est classe. Ah non, laisse les commentaires là. L'homme n'est rien sans sa bonne femme. Voilà, l'homme n'est rien sans sa femme. Oui, bien sûr. Mais la bonne femme. Et la bonne femme ne te met pas la pression à faire l'impossible. Une femme qui t'aime ne te met pas la pression de peur que tu partes te heurter. Est-ce que tu comprends? Une bonne femme ne te met pas la pression de peur que tu partes te heurter. Surtout quand elle sait de quoi tu es capable. Est-ce que l'amour te rend aveugle? Une vraie femme ne te met pas la pression. Quand elle sait que tu es un homme responsable, elle ne te met pas la pression. Quand une femme te met la pression, quelle que soit la raison, elle devient une mauvaise femme. Elle te pousse à faire l'impensable. Beaucoup de gens qui tuent les femmes ici dehors, qui tuent ici dehors, c'est à cause de la femme. Beaucoup de gens, des personnes qui vont en prison, c'est à cause de la femme. L'homme n'est rien sans la femme, mais sans sa vraie femme. Et la vraie femme est celle qui t'accepte avec les conditions que tu te trouves. Et une vraie femme connaît que l'avenir, c'est devant. Ça veut dire que la même situation que tu vis aujourd'hui, là, tu ne vivras pas ça demain. Mais oui. Une vraie femme, c'est celle-là qui t'épargne du danger. Parce qu'elle sait que demain ne sera pas comme aujourd'hui. C'est ça la vraie femme. Une vraie femme ne met pas la pression à l'homme. Donc si ta femme te met la pression... Ouais, voilà, regarde pareil. C'est lui tout qui a amené le commentaire tout à l'heure. On parle de vrai sujet. Il dit que non, l'homme n'est rien sans sa femme. C'est Chloé là. C'est les mêmes petits frères qui pensent qu'ils connaissent. Petit frère, ce que tu penses que tu connais là, j'ai cru comme ça aussi comme toi hier. J'ai dit que j'ai fait la prison parce que je suis rentré au Cameroun. Alors que j'avais les dettes. Est-ce que je manque? Tout le monde connaît. J'ai fait la prison. Mais oui. J'ai fait la prison, j'avais les dettes. J'ai fait la prison moi. Donc c'est les expériences que moi je connais. J'ai les amis en prison aujourd'hui à cause de la femme. À cause de la femme. Alors que tu as mieux à faire, bats-toi, tu trouves la solution à tes problèmes. Bats-toi, tu trouves la solution à tes problèmes. Prends ton temps. Sois juste. Ne deviens pas malhonnête à cause de la femme. Non. Puisque si tu n'es pas là, elle va se taper un autre gars. Elle va continuer son bon bout de chemin. Là, tu comprends? Voilà. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'un homme peut faire l'impossible à cause de sa femme. Ça veut dire qu'il change, il inverse le rôle. C'est la femme qui doit faire l'impossible pour son mari. C'est la femme qui doit faire l'impossible pour son mari. Alors que la femme, c'est-à-dire quoi? Tu dois calmer ton homme, tu dois arrêter ton homme, tu dois protéger ton homme. Tu dois l'empêcher qu'il fasse le pire. Surtout quand tu connais de quoi il est capable. Surtout quand tu sais que c'est un bon travailleur. Quand je dis que la femme doit faire l'impossible pour son mari, pour la famille, ça veut dire que quoi? Elle doit arrêter son mari. Parce que quoi, quand tu mets la pression sur l'homme, facilement il peut céder à la tontine que son ami lui propose dehors. Non, la femme n'est pas le dernier souci de l'homme, non, jamais.
Non, non, non. La femme, c'est un souci pour l'homme. Comme l'homme est un souci pour la comme l'homme est le souci pour la femme. Mais le problème, c'est que il faut connaître quoi faire. Il faut connaître quoi faire. Une vraie femme protège son homme. Parce que quand vous voyez beaucoup de femmes ici dehors, les hommes qui se trompent là, pourquoi? C'est sur la pression de la femme. Moi, je connais des amis avec qui j'avais des liens. Quand j'avais des problèmes à l'époque, ma femme me dit, chérie, n'est-ce pas, telle est venue, va lui prêter l'argent. Non? On m'a dit que c'était ton ami. Tu vois, ma femme me dit, chérie, va prêter l'argent à telle. Je dis à ma femme qu'il connaît que j'ai les problèmes. S'il veut, il vient vers moi. S'il veut, il ne vient pas. Je m'en fous de lui. Les années sont passées plus tard. Cet ami a eu des problèmes. Ok? Cet ami a eu des problèmes. Lui, il est venu chez moi me prêter de l'argent. J'ai dit, mais tu es rentré à l'époque, j'étais en prison. Même me rendre visite, tu n'es pas venu. Bon, parce que cela ne tient, je te dépanne. Bah, je ne vais pas te prêter l'argent que tu me demandes, mais je te dépanne. Et tout ça, ma femme était là, elle voyait. Elle tape la main, elle dit que ah, le monde tourne. Hein. Est-ce que tu as vu, non? Voilà. Donc, celui qui sait que tu es là, il sait que tu as les problèmes, ok? Il te vient en aide, sans que tu le demandes. C'est comme dans certaines familles. On voit des gens aujourd'hui qui se marient. L'oncle devient le parrain du mariage. La tante devient la marraine du mariage. Une tante qui n'a jamais rien fait pour toi quand tu n'avais rien. Quand tu étais dans le besoin, l'oncle était où? Tu mets ta mère de côté. Tu mets ton père de côté. Parce qu'ils sont crasseux. Au lieu de les arranger, tu as honte du physique de tes parents. Tu veux mettre au devant la scène ton oncle. Hier, là, ton oncle qui avait les moyens, l'a fait quoi pour toi? Hier, là, tu es quitté du Cameroun avec 100 000. Ton oncle pourrait te donner ça. On voit les gens, j'ai les amis là, les petits idiots comme ça là. Il y a les amis là, ils présentent sa tante comme sa mère, petit idiot, pitié de toi. Apporte l'autre paquet là. Passe pas là-bas, non? Mais oui, c'est marrant. Tu présentes les autres personnes comme tes parents. Oui, peut-être tu peux présenter l'oncle comme ton père, la tante comme ta mère, parce que c'est celle-là qui t'a adopté. Parce que tes parents ne pouvaient pas supporter les charges, ça se comprend. Ok? Mais tu peux présenter quelqu'un qui n'a rien fait pour toi comme ton père, comme ta mère. Comment? Comment? Pas complexe? Mais oui, tu vois un idiot pas montrer. Tu vois un idiot monter la maison. Je connais les... Tu vois que quelqu'un cache le carabote de ses parents. Il monte la maison de la tante comme ça, leur vraie maison. Mais tu es un villageois, toi. Tu es une merde. Tu es une merde, mon cher ami. Mais attendez, mais c'est quoi ça? Moi, je peux faire ça. Ça a commencé comment? Tu es malade. Je devais laisser ma mère Manzali là pour présenter quelqu'un d'autre. Une femme qui a souffert. Ma mère a trop souffert. Dans la vie, mon père est mort depuis, ça fait même 28 ans aujourd'hui. Hein? Elle partait au champ, tout et tout. Elle se battait. Nous, on a fui les classes parce que mais oui, mais elle se battait tout pour payer la scolarité. Tu vas voir un petit salopard pas présenter sa tante. Parce qu'elle portait les gros pains. Toi, tu achètes les pains à ta mère. Achète les pains à ta mère. Pourquoi tu présentes ton oncle comme ton père? Parce qu'il a les bonnes chaussures. Oui, mais attendez, ah donc, voilà un monsieur qui vit depuis bien. Mais il n'a jamais rien fait pour toi. Aujourd'hui, connais même ton nom. C'est parce qu'il veut bâtir un empire qu'il a besoin de toi. C'est parce qu'il sait que quand il vous amène au village, hein, tu viens garer la voiture, ça fait une voiture de plus. Ça fait une voiture de plus. J'ai dit ça à mon oncle dans la famille. Qu'arrête ça, arrête ça, arrête d'appeler, non, tu seras au village. Eh, on ne m'impose pas. Le temps que tu pouvais imposer là, était passé. Tu n'as rien fait pour moi. Donc ne m'impose pas, ne me dis pas si tu seras au village ou pas. Eh, arrête-moi ça. Il est normal qu'on fasse une réunion familiale. Le jour de la fête, c'est le sous-préfet qui vient présider. Attendez, mais ça veut dire que tu as d'autres intentions. Qu'est-ce que le sous-préfet a quoi y voir dans une réunion familiale? Qu'est-ce que le sous-préfet a quoi y voir dans une réunion familiale? On dit réunion familiale. Tu peux montrer au sous-préfet que voilà la famille qui est grande. Alors pendant ce temps, il y a les enfants qui ne vont pas à l'école. Une réunion familiale, c'est pour trouver la solution des enfants qui ont des problèmes dans la famille. C'est ça une réunion familiale. On doit cotiser pour ceux qui n'en ont pas, pour les veuves, pour les enfants qui ne vont pas à l'école. On achète les cahiers en paquet, en stock. On partage aux enfants qui n'en ont rien, aux orphelins de la famille. À amener chacun à la conscience, à être conscient, à aider son frère. Alors, tu vois les familles où on vient, tu vois une réunion familiale, on invite que les gens qui ont la voiture. On donne la parole à ceux qui ont la voiture. Vous voyez, les gens payent même les postes. Tu vois, quelqu'un dit que hey, tu ne donnes pas aussi ton argent. Pour que tu sois le notable. Donc, quelqu'un paie la
notabilité 500 000 dans la famille. Moi, n'importe quoi. Ça veut dire que tu n'as pas voyagé, petit frère. Il y a des choses que si tu perds le temps, c'est ça. Que tu n'es jamais voyagé. Honore l'oncle qui t'a honoré hier. Honore l'oncle que quand ton père est mort. Honore l'oncle qui connaissait que non, ton père c'est un pauvre. Ton père c'est son frère. Il t'a aidé. Il pensait que il faut que tu partes à l'école. Il pensait que non, les baignait. Il pensait à toi. Voilà l'oncle. Honore l'oncle qui ne doutait pas de ton nom, qui t'appelait que Raoul. Qui disait que woman, c'est comment? Ça va? Et les oncles qui ne connaissaient pas ton nom. Hein? Ils ne connaissaient pas ton nom. Depuis que ton père est mort, il m'a envoyé même 10 000, même 5 000. Il faut garder celui-là. C'est bonjour, bonsoir. Ça ne fait pas de lui ton ennemi. Non, 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 non. Non, 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 c'est bonjour, bonsoir. C'est bonjour, bonsoir. Il ne peut jamais te protéger. Parce qu'on protège les faibles. Quand tu étais faible, il ne t'a pas protégé. Tu t'es défendu, tu es là grand aussi. Donc tu peux te défendre. Pourquoi il dit, chacun bâtit son bonheur. Va bâtir ton bonheur. Voilà. Va bâtir ton bonheur. Fais-toi des bonnes relations. Construis ta famille. C'est clair. Ce sont ces gens donc que tu as aidés dans la vie, que tu as bâti ton empire. Ce sont eux qui seront là quand tu auras les malheurs. Parce que quand quelqu'un ne t'a pas soutenu, quand tu étais dans un trou, c'est pas quand tu sors du trou qu'il va te faire quelque chose d'impossible. Il ne peut rien t'apporter. Il va venir seulement t'accompagner dans l'opulence dont tu es aujourd'hui là. Voilà. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils viennent à côté de moi, croient que non, on va aller boire le champagne, je les déçois. Bah, tu n'étais pas là hier. Je ne t'honore pas. Je ne t'honore pas. Tu n'étais pas là les moments difficiles de ma vie. Je ne perds pas la garde. Oh, je ne perds pas la garde. Je suis très méchant dans le côté là. J'ai un oncle là, non? Et voilà qui bat un jeu, bat chez mon oncle. Je trouve un là, mais. Quand mon père est mort, après un mois, on a fait la réunion familiale pour chasser ma mère de la maison. Pour chasser ma mère du champ. Comme ça que je sors les dos, je choco. Je choco tout le monde. J'arrive sur lui. Je choco. Après, mais son visage me dit quelque chose. L'enfant n'oublie rien. Hein? L'enfant n'oublie rien, comment on dit ça? Je me tourne et dis que mais. L'oncle lui-même là, il a Guimedo, mais il n'était pas content. Mais dans la classe, je choco. Je sortais. Hey! Comme ça, je donne. Il dit que mais celui-ci là, c'est pas toi qui criais trop là quand mon père était mort. Qu'on doit mettre. Alors que tu es le cousin à mon père. Donc ça dit, vous voyez parfois, les oncles, tant que ne viennent pas souvent en face, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un sacrifié, un cousin de la famille. C'est lui qu'on place souvent devant. Mon ami. Il a dit que mais ce n'est pas toi. Tu étais à la réunion familiale comme ça à Nubel quand le père était mort là. Il dit que oui, ok. Ah c'est toi non qui? Ah, c'est toi. Au départ, j'ai fait la talakou, il a accepté tout. Gimme dans d'autres dimanches. Donne-moi l'argent. Donne-moi, j'ai pris, non? On m'a dit, oh pardon, vraiment, laisse-tu. Bon, il a seulement laissé ça parce que vraiment c'était la famille. Si c'était que c'est nous deux là, ils ne donnent pas. Voilà. Les gens comme ça, ils ne peuvent rien t'apporter dans la vie. Voilà. Voilà les oncles, c'est les oncles sorciers. Voilà. Comment t'as découpé, non? Je t'ai dit, tu dois apporter un habit pour le travail. C'est pour ça qu'il dit que tu dois apporter un habit pour le travail. Parce que tu viens de commencer. On doit te former. Comment faire les jus. Voilà. Eh, hey, il y a les produits, hein. Il y a les produits. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà les produits pour la calvitie. Voilà. Chute des cheveux. Et qui veulent beaucoup de barbe. Voilà le produit. On a le stock au Cameroun. Voilà le produit pour l'éjaculation précoce. Voilà le produit. Donc voilà. Si tu souffres d'éjaculation précoce, pas la faiblesse sexuelle. Voilà. La faiblesse sexuelle est le manque de confiance en soi. Et pour ne pas atteindre à cette étape, à cette phase d'éjaculation, de faiblesse sexuelle, il faut te soigner. La faiblesse, l'éjaculation précoce. Donc voilà la solution à ton problème. Voilà la solution à ton problème. On a le stock en France, Italie, Belgique, États-Unis. France, Italie, Belgique, États-Unis, Allemagne. Voilà. Cameroun. Donc je réponds au numéro au 683-40-97-55. Plus 237-683-40-97-55. Voilà le produit. Préventif et curatif. Très facile à utiliser. C'est pas buvable. C'est des produits bio, naturels. Tu déchires seulement comme ça. Là. Il y a 6 sachets par paquet. Et c'est pour 6 rapports. 6 sachets par paquet, 6 rapports. Voilà. Et les 6 rapports là, tu ne peux pas utiliser ce paquet en un mois. Voilà. C'est pour faire atteindre l'orgasme de Tanga. Et toi-même te mettre à l'aise.
Il faut satisfaire sa femme. Voilà. C'est un danger quand ta femme n'est pas satisfaite. Elle peut tout porter dans un inconnu. Voilà. Voilà le produit. Donc, voici le produit pour la goutte. La goutte, c'est une mauvaise maladie. C'est plus pire que le sida. Je préfère le sida que la goutte. L'acide urique, c'est nuisible. Tu ne peux pas mettre les pieds au sol le matin. Si on te dit même que voilà l'enfant qui est malade, on te réveille dans le sommeil, qu'apporte l'enfant à l'hôpital. Tu ne peux pas. Parce que là, voilà un problème. Amène l'enfant à l'hôpital, tu ne pourras pas. Voilà, voilà le produit qui va te sauver. Voilà. Tu ne peux pas plier le poignet, ça fait tellement mal. Donc ça, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà le produit. Les articulations qui font mal. Tu ne peux pas plier le poignet comme ça là. Je n'arrivais pas à plier le. Je n'arrivais plus à fermer ma main comme ça. C'était la goutte, l'acide. Mais oui. Méfie-toi de t'opérer, fais attention. Ne t'opère pas. Parce que quand on t'opère, là, c'est pour enlever l'acide et qui est parti rester dans, sous le bas des pieds. Voilà. Les ligaments parfois vont te faire mal. Le tendon te fait aussi mal. Donc c'est comprimé. Tu changes même ta manière de marcher. Donc il est temps pour toi de te soigner. Sinon, tu auras au moins 2 ans à 3 ans pour te remettre. Même quand tu vas te soigner. Parce que ça déforme la démarche. Voilà, ça déforme la démarche. Donc voilà le produit. Donc voilà. On a le produit en France et au Cameroun. Donc voilà, j'en ai terminé. La page est déjà monétisée. Hein. Donc pour tous ceux qui peuvent soutenir Banga Diaspora, voilà le lien PayPal. Voilà le numéro Orange Money 683 40 97 55. Voilà. Et voilà mon numéro Orange 696 94 32 42. Le lien PayPal est là. Voilà, vous passez une bonne journée. Guillaume Kemals, c'est comment champion? On était ensemble. Love you. Fais pas l'impossible pour la femme. Voilà. Fais pas l'impossible pour la femme. Fais ce que tu peux, mais pas l'impossible. L'impossible va t'envoyer dans un trou. Et elle va faire sa vie. Fais jamais l'impossible pour la femme. Surtout quand tu sais que tu es quelqu'un que tu as l'habitude de faire sans être poussé. Voilà. Donc, fais ce que tu peux faire. Donne le meilleur de toi. Mais ne fais pas l'impossible pour la femme. Même les femmes aussi. Ne fais pas aussi l'impossible pour les hommes. Je connais une femme qui est en prison à cause d'un homme. Mais oui. Je connais une soeur qui était trésorière aux impôts à cause d'un homme. Elle est en prison. Elle a fait la prison. 8 ans de prison à cause d'un homme. Il faut faire attention. Ne fais pas l'impossible pour qui que ce soit. Parce que celui qui t'aime ne peut pas te mettre la pression de faire l'impossible. Parce qu'il connaît le pire. Ça veut dire que s'il te met la pression, ça veut dire qu'il est capable de vivre sans toi. Une femme qui te met la pression, ou un homme qui te met la pression de faire l'impossible pour toi ou bien pour vous, est capable de vivre sans toi. Ça veut dire qu'il est capable de t'envoyer dans le choc et après t'abandonner. Ne fais jamais l'impossible là. Quelle que soit la raison. Surtout quand tu sais ce que tu es capable de faire sans la pression. Ne fais jamais l'impossible pour qui que ce soit. Quelqu'un qui te met la pression est capable de vivre sans toi. Il faut retenir cette leçon. Tous les petits qui vont en prison chaque jour là, faut te méfier. Fais pas l'impossible pour la femme. Fais ce que tu peux faire. À bon entendeur, salut.